Bonjour, Imam. Bonjour, monsieur. Oui. S'il vous plaît, présentez-vous aux lecteurs et téléspectateurs de guinematin.com. C'est Elhadj Mohamed Makanera Kake, en service au ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Alors, Imam, aujourd'hui, nous sommes vendredi 3 février 2023. Nous sommes dans la mosquée Amour de Kouzad aujourd'hui. Vous avez porté votre sermon, c'est vous qui avez dirigé la prière dans cette mosquée aujourd'hui. Votre sermon a porté sur le bon comportement du musulman, du fidèle musulman. Alors, est-ce que vous pouvez nous revenir un tout petit peu sur l'essentiel de ce sermon? Merci, monsieur, de m'avoir choisi parmi tant d'autres. Étant que Dieu m'a donné la chance aujourd'hui de présider la prière de vendredi dans la mosquée Anour, plutôt dans la commune de Matoto, au mosquée Anour vers Koza. Par la demande de l'imam principal, Elhadj Abakar Touré, qui est un cousin à moi, sa demande a été acceptée vers 11h pour venir aujourd'hui l'aider à diriger la prière. La prière d'aujourd'hui, le serment était porté sur le comportement des musulmans ou sur le comportement social entre les êtres humains en général. Et en fin de serment, j'ai essayé de parler un peu de mauvais comportement vestimentaire, surtout au niveau de la femme qui aujourd'hui était dans la mosquée. Dans le serment d'aujourd'hui est rédigé par les affaires religieuses. Alors, vous avez évoqué ce comportement dans la vie sociale. Dites-nous un tout petit peu ce que doit adopter comme attitude un fidèle musulman ou un citoyen quelconque dans la vie sociale, dans la convivialité. Il est demandé à un musulman d'avoir une très bonne attitude de collaboration avec quiconque, avec un voisin, un ami. Et finalement, même à un collaborateur de service. Il est demandé à un musulman d'avoir une très bonne attitude vers toute une personne qu'il faut collaborer. Je vous dis, le bon comportement d'un musulman est un comportement ou est un élément fondamental dans la vie d'un musulman. Si vous prenez, je disais, le prophète a été apprécié par Dieu seulement par son bon comportement vis-à-vis des autres. Et Dieu le dit dans le Saint-Coran, « Wa innaka la ala khulqin azim ». Il dit, certes, vous renfermez un très bon comportement vis-à-vis de tes relations. Et une fois même, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ange Gabriel venait régulièrement le prodiguer de sages conseils par rapport à son comportement social, et surtout vis-à-vis de son voisin ou de son collaborateur. Jusqu'à ce que le prophète ait pensé qu'un jour, peut-être, son voisin fera partie de ses héritiers. Il a dit ça. Et finalement, le serment, parce que il y a deux choses. L'homme doit avoir une très bonne attitude, une très bonne relation avec son Seigneur qui est Dieu. Et en même temps, également avoir un très bon comportement vis-à-vis de son semblable. Voilà, la religion est scindée en deux. Tes relations avec Dieu, tes relations avec les hommes. Et celui qui s'étale seulement à respecter ses relations avec Dieu, qui consiste la prière, le jeûne et même le pèlerinage, et remettre en cause ou bafouer ses relations avec ses êtres humains, avec ses semblables, mon frère, il a failli à ses responsabilités. C'est ce que j'ai dit dans le sermon. Quand quelqu'un va à la Mecque, c'était pour aller effacer complètement tous les péchés antérieurs. C'est ce qui est dit par le hadith incontesté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est péché qui existe entre l'homme et Dieu, pas les péchés qui existent entre l'homme et son semblable. Le pèlerinage ne remet pas ça en cause. Non, c'est ce que trompe beaucoup de Guinéens et surtout chez les musulmans. N'essaye pas de faire de tort aux autres. Ce bon comportement commence par quoi? Il ne faut pas par la médisance. Il faut éviter faire de tort à un semblable, faire de tort à un croyant, à un pauvre, que ce soit dans le pouvoir, dans une réputation, dans une force matérielle. Je vais parler des riches, il ne faut jamais essayer de faire de tort aux pauvres ou bien aux autres.
Si vous prenez les eaux usées de Conakry, ça quitte des étages, 8 ou 15 ou R plus combien, mais l'eau usée passe seulement dans les cuisines de l'autre, ou même dans leur chambre dortoir. Et le pauvre n'a aucun moyen d'aller se plaindre ou se défendre ou s'élever contre celui qui est plus puissant que lui sur le plan matériel. Voilà ce que j'ai un peu approché aujourd'hui dans le serment. À ce niveau, juste, vous parlez des eaux usées notamment. Il y a beaucoup de ces familles qui dégagent les ordures, y compris ce que vous dites, les eaux usées, et envoient ça au niveau de l'espace public, à savoir la route, par exemple. Et là où tout le monde passe, est-ce que vous pensez que évacuer les ordures, notamment les eaux usées, vers la route où ça gêne le passage, est-ce que vous pensez cela aussi, c'est une façon de se prémunir de tout ce que vous mettez les uns, en tout cas vous éloignez les uns? Très satisfait de cette question. Je vais citer les responsabilités par rapport à ce phénomène d'ordure. L'État a sa responsabilité. Évacuer les ordures, rendre une ville propre, d'abord ça incombe comme responsabilité au niveau de l'État. Je vais parler de haute autorité du pays. Deuxième responsabilité, nous les pères de famille, si nous avons où vraiment utiliser ces ordures, sans aller les mettre ou dégager vers les places publiques, ou mettre devant le portail de quelqu'un, et pendant que l'intéressé est en train de dormir, voilà un comportement qui est déconseillé, surtout au niveau des musulmans, dans la vie des musulmans. Troisièmement, si on n'a pas où mettre, parce que ça aussi, ça se pose là, il y a des endroits où ils n'ont même pas où mettre les ordures. Mais nous demandons encore à ce groupe d'individus de s'arranger pour ne pas aller verser quand même sur les places publiques, surtout sur les grandes voix de Conakry ou bien devant la porte d'un voisin. Je vous dis, mon frère, se méfier d'ordures, rendre une ville propre, évacuer les ordures, c'est une recommandation divine, même dans le Saint-Coran. Je vais vous dire, la personne qui a été maudite, c'est une femme de la Mecque qui mettait l'ordure même devant le passage où les gens passaient parce qu'ils voulaient faire du tort au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on a dit dans une petite sourate en Bakandi, Hammalat al-Hatabi, Fijidi Hablu Mimassad. Cette femme a été maudite par Dieu par rapport à son comportement de mettre l'ordure devant là où les gens passent. Donc, cette responsabilité est divine. La recommandation est divine qui incombe à tout citoyen guinéen. Ça, ce n'est pas seulement c'est l'État qui le dit, mais c'est l'islam qui le demande. Et je suis parti vers le comportement vestimentaire, mauvais comportement vestimentaire au niveau des femmes. Avant qu'on y arrive, oui. Parlons justement de la gestion des ordures. Oui. Et il y en a ceux qui prennent sur eux-mêmes la décision, oui, de gérer les ordures pour qu'elles ne gênent pas les autres, les citoyens, les autres. Et d'autres prennent sur eux-mêmes la décision d'assainir ou de payer de l'argent pour qu'on assainisse certains endroits pour éviter de gêner et pour améliorer la santé des autres. Comment expliquez-vous tout cela? Ce comportement est à saluer. Ce comportement est à encourager. Ces citoyens ont à remercier parce qu'ils acquittent un devoir, je reviens encore de dire, vraiment religieux. Ils prennent la décision sur eux-mêmes d'assainir, d'utiliser l'ordure, les ordures, de façon à ce qu'elle ne doit pas aller faire du mal aux autres. C'est un comportement à saluer, à remercier. Et je suis sûr, en me basant sur les écritures saintes de l'islam, les gens la seront rétribués devant Dieu demain par rapport à ce bon comportement. L'islam, par exemple, le fondement, c'est la propriété. Il est demandé à un croyant d'être propre. Son lieu de prière, l'habitation, lieu de travail, le vêtement qu'il porte, il est demandé à un croyant partout où il sera d'être propre et rendre le lieu d'utilisation très propre. Il a même demandé, comme le vendredi d'aujourd'hui, spécifiquement ou spécialement, il a demandé à un croyant, par le verset coranique, de se rendre très beau avant de venir introduire ou s'intégrer dans le public de la mosquée. Il dit partout où vous vous retrouvez pour m'adorer, partez avec beauté
et propriété. C'est Dieu qui le dit dans le Saint-Coran. Donc, la propriété, évacuer les ordures, rendre le lieu propre, si le comportement est pour tout le monde, mais c'est spécifiquement, c'est pour les musulmans. On parle de bon comportement. Faire couler les eaux usées à partir de sa concession vers son voisin, est-ce que quelle est la récompense de ce dernier? D'abord, je suis encore responsable. S'il y a une sanction qui vient de l'État, je suis entièrement d'accord avec. Après avoir été s'acquitter même de son devoir, hein, de passer par mille moyens pour que ces ordures là soient utilisées d'une façon raisonnable. Et en plus, un citoyen qui refuse de respecter ses règles sociales, s'il y a une sanction de la part de l'État, l'islam l'accompagne. Et si l'État ne sanctionne pas l'intéressé jusqu'à mourir, il est exposé. Il est exposé au danger et il est exposé au châtiment de Dieu après sa mort. Parce que la recommandation est divine. Vous parliez tantôt de péché entre des semblables, les uns envers les autres. Alors, la Mecque, c'est là où on va pour adorer Dieu afin que ses péchés soient effacés. Certains, avant qu'ils ne partent, je ne dis pas tout le monde parce que je ne contrôle pas tout le monde, mais beaucoup sont ceux-là, en tout cas dans nos villages, qui font le tour des concessions chez leurs voisins, les connaissances et tout le monde pour leur demander pardon, pour leur demander, en tout cas présenter leurs excuses par rapport à tout ce qui est intervenu entre eux avant qu'ils ne décident de se rendre à la Mecque. Et est-ce que si ceux-là partaient à la Mecque parce qu'ils sont prêts à aller, ils arrivaient à s'acquitter de ce devoir et revenir, s'ils revenaient encore à faire, à répéter ne serait-ce qu'une fois les mauvais comportements qu'ils avaient avant qu'ils ne partent, est-ce que toujours cela reste, ça va rester maintenu contre lui? Merci. Cette question, c'est ici que je me rends compte que vous avez très bien écouté avec intérêt ce serment. Il est demandé à un croyant qui a l'initiative, qui a fini de prendre décision d'aller à la Mecque, se repentir, demander le pardon de Dieu pour qu'il puisse effacer complètement ses péchés antérieurs. Dans ce cas, à l'égard des autres. C'est pourquoi il est demandé. Parce que j'ai dit dans mon serment, c'est pas la Mecque qui va enlever ce qui est entre toi et ton semblable. Mais qu'est-ce qui est demandé? Pour que ça soit complètement effacé. Vous m'avez rappelé, je vous remercie par rapport à ça. Il est demandé comme l'un des critères pour un musulman qui veut quitter pour aller à la Mecque, de commencer à demander pardon d'abord à sa femme, son épouse à la maison, ses enfants, ses employés, même ses boys qui sont avec lui. Après avoir obtenu leur pardon, comme ce que les vieux font au Fouta, ou bien dans une autre région de la Guinée, il est demandé à ce qu'ils passent concession par concession. Demander le pardon à tout ceci, parce que l'homme est imparfait. Et donc, il demande le pardon à tout ceci, se pardonne entre eux. S'il a des dettes à payer à quelqu'un, il va rembourser la dette. Si la date de paiement de cette dette n'est pas encore arrivée, ou bien il n'est pas en mesure de payer avant de partir, il demande à ce qu'il aille vers le créancier, aller lui demander de prolonger la date de paiement jusqu'à ce qu'il revienne de la Mecque. Mais à condition qu'il écrive, parce qu'il peut ne pas revenir, écrire la dette et prendre le témoignage par rapport à ça avant qu'il ne bouge. Dans ce cas, il va à la Mecque et reviendra ici tous les péchés, que ce soit entre lui et les hommes, que ce soit entre lui et Dieu, soit complètement effacé. Je me base sur les hadiths incontestés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui est demandé à un musulman avant de quitter. À son retour, s'il arrive à répéter. Voilà, à son retour, s'il arrive à répéter, il reprend à zéro. Parce que les gens disent que non, maintenant, quand il revient, il commet les mêmes bêtises que maintenant, le châtiment est à doubler ou renforcer. Non, mon frère, si vous lavez votre habillement, votre boubou blanc complètement, vous la rendez propre, vraiment le tissu est propre, le boubou est propre. Si vous arrivez encore à vous, comment dire, heurter à une saleté quelque part, ça c'est une nouvelle saleté. Ça, c'est un faux dossier. Il revient en tant que croyant. Il n'est pas dit que si quelqu'un part à la Mecque, il revient, qu'il ne peut plus commettre bêtises. Il peut être influencé. C'est pas, je ne l'accompagne pas par une question de volonté. Mais c'est un être humain. Il s'appelle croyant, il s'appelle musulman.
C'est-à-dire son originalité humaine existe. Sa fragilité est là. Le Satan est plus fort que nous tous. Il revient, il peut être influencé quelque part. Il arrive à commettre quelque chose. Mon frère, c'est comme si tu as commis celui, toi qui n'as pas été à la Mecque. Si c'est un péché, c'est un péché pour Elhaj. Après son retour, c'est un péché pour un Elhaj. S'il s'agit à commettre la même bêtise en tant qu'être humain. Et là, il a récidivé. Et s'il n'arrivait pas à avoir l'occasion de repartir à la Mecque pour redemander encore pardon parce qu'il a de nouveau péché, qu'est-ce qui pourrait l'aider à ce que cela soit effacé? Merci. Et dans ce dossier, il y a deux choses. C'est tout généralement chez nous ici. Quelqu'un part à la Mecque, le plus jeune a plus de 40 ans, 55 ans, 60 ans. Tu trouveras que peut-être, après son retour, il ne fera plus 30 ans ou 25 ans, difficilement. Donc, il n'est pas demandé, quand il revient, parce qu'il sait qu'il a commis des bêtises, d'aller. Aller à la Mecque, c'est une obligation religieuse qui est cinquième pilier de notre religion musulmane. C'est-à-dire, ce qui est demandé à l'intéressé d'aller une seule fois dans toute sa vie. C'est pourquoi le premier pèlerinage, c'est ce qui est obligatoire. Le reste, ce sont les pèlerinages qu'on appelle sérérogatoires. Voilà. Mais une fois que, tant que quand même il part, il peut effacer quand même les péchés qu'il en avait. Mais l'obligation, c'était le premier pèlerinage. C'est pourquoi j'attire l'attention. Là aussi, c'est avec condition ou... C'est ce que j'ai dit. J'attire votre attention par rapport à ça. Les cinq piliers de l'islam, les deux attestations avant d'intégrer l'islam sont là. Et puis l'accomplissement de cinq prières que nous venons de faire, s'acquitter de la zakat. Et puis le dernier pilier, c'était d'aller à la Mecque qui est conditionné par beaucoup de choses. D'abord, la santé est là. Il faut que l'intéressé soit apte pour aller effectuer, parce que c'est le rite difficile. La santé est là. Condition physique. Deuxièmement, condition financière. Il faut que l'intéressé ait le tarif qui vient du bien licite. Parce que ce n'est pas parce que tu as le tarif, tu as fait un bon pèlerinage. Ce n'est pas après avoir détourné le denier public ou faire du tort aux uns et aux autres par là, et toi tu ramasses pour aller faire le pèlerinage. Tu deviens un touriste. C'est un voyage touristique. Ce n'est pas un pèlerinage que Dieu a demandé. Il faut que j'attire votre attention par rapport à ça. Deuxièmement, la condition de séjour, c'est-à-dire argent de poste, il est interdit à tout un croyant. Vous avez en bonne santé. Vous avez le moyen de quitter comme transport, mais le séjour n'est pas au complet et tu dois s'asseoir à ce pèlerinage. Parce qu'il n'est pas demandé à un croyant d'aller commander aux autres là-bas, les déranger par rapport à votre survie. Ça, c'est complètement interdit. Troisième condition, si vous avez une dette entre vous et l'Elhaj Makanera, la date est arrivée là, je n'ai pas voulu repousser la date de paiement. Il est demandé à ce que vous payez mon argent et vous retournez. Vous renoncez au voyage d'aller à la Mecque. Tout ça, là, voilà les conditions qu'il faut remplir avant de décider d'aller à la Mecque. Ce n'est pas parce que tu as les moyens, tu bouges seulement pour aller faire le voyage touristique et puis tu reviens. Le bon comportement, vous le dites tantôt, à l'égard de Dieu, à l'égard des semblables. Et à l'égard des semblables, si nous revenons à ce niveau-là, nous sommes en famille, nous sommes au lieu de travail, nous sommes dans la circulation, nous sommes à plusieurs niveaux. Et comment doit se comporter l'homme en général dans ce milieu social? Dans le milieu social, c'est le même comportement, bon comportement, une très bonne attitude. La première fois, si vous ne faites rien pour les autres, il ne faut pas les déranger, il ne faut pas lui faire du mal. Tu n'es pas en mesure de faire du bien pour les gens, mais il ne faut pas lui faire du mal quand même. Il ne faut pas être en mesure aussi de leur faire du mal. Deuxième comportement, c'est la patience dans une vie sociétale. Accepter pour les autres leurs défauts, accepter leurs différends. Il ne faut pas tout rembourser, il ne faut pas être mesquin. Et deuxième, être gentil. La générosité est demandée dans une vie sociétale. Accepter l'autre dans ses défauts, il est demandé par la religion musulmane. Et faire des biens pour les autres, secourir un ami qui a un problème, lui défendre dans ses raisons. Si vous trouvez que vraiment il a raison sur une personne, il ne faut pas le laisser noyer par quelqu'un qui vient lui faire du tort. Voilà le comportement, parce qu'on pense que si vous faites du bien pour les gens, c'est un bon voisinage. Vous pouvez ne pas faire du bien pour les gens et vous faites de bons voisinages. Quoi? Veiller sur sa vie. L'aider si ça ne va pas, mais surtout défendre sa cause si elle est sur ses raisons. Il ne faut pas aller se noyer par quelqu'un.
de faire du tort, on l'emprisonne. Pendant que tu as ta voix au chapitre, tu as les moyens financiers, tu as tes relations humaines que tu peux utiliser pour sauver ton ami ou ton voisin dans votre vie sociale. Et vous refusez de le faire, vous avez failli à votre responsabilité devant Dieu. Voilà. L'un des comportements exemplaires que beaucoup prennent et s'en servent, c'est celui rapporté par un hadith du prophète, rapporté d'un compagnon. Prophète, ouais. Alors, et cet acte, ce comportement qui a fait que le prophète a été giflé et il a demandé pardon à celui qui l'a giflé. Alors que c'est celui qui l'a giflé qui devrait plutôt lui demander pardon. Et comment expliquez-vous tout cela? Il est difficile de dire que quelqu'un a giflé le prophète. Le hadith, peut-être, ça peut exister. Et j'ai entendu les gens le dire. Peut-être c'est un hadith qui a été mal un peu interprété. Le prophète, je ne me souviens pas, ni par ses compagnons, ni par les juifs, les chrétiens qui étaient ses voisins directs, ni un mécréant bédouin qui est venu le siffler. Je ne me rappelle pas. Mais il y a un acte à peu près ça. Il y a un bédouin qui est venu nouvellement embrasser l'islam. Il connaissait quand même la place de prophète de Dieu, mais parce qu'il avait des difficultés de survie. Il n'avait pas quoi manger. Il pensait que lui, par son raisonnement, c'est le prophète qui détient tout. Il a la banque islamique qu'on appelle Baytul Mal, les butins de guerre qui viennent, c'est le prophète qui le gardait à son niveau et avant de repartir. Lui, le temps de répartition était très loin pour lui. Il est venu le prophète de passage, il a pris au collet. Il a pris le prophète au collet. C'est jeté même sur lui, sans le gifler. Et en lui disant, vous pensez que le prophète, tu penses que le bien que tu gardes appartient à tes parents? Ou bien c'est pour ton père ou ta maman? Il l'a dit clairement. Dans ce sens, il l'a pris comme ça au collet. Le prophète n'a pas réagi en tant que prophète. Il a compris le bonhomme dans ses colères, dans son problème. Parce qu'il n'avait pas quoi survivre. Il y a les gens voulaient se jeter sur le jeune, mais le prophète a calmé tout le monde. Il a demandé lui-même au bonhomme de le laisser. Quand le bonhomme a relaxé la chemise du prophète, le premier comportement, il a donné raison à l'intéressé. Il dit, c'est moi qui détiens le bien. Mais il y a l'aide de répartition. Et si je retarde par rapport à ça, vous avez votre plein droit de venir me demander. Et même s'il me fait ce comportement que vous venez de faire. Il ne l'a pas blâmé. Finalement, il a calmé les autres. Il a demandé automatiquement d'aller dans le magasin, voir ce qui est nécessaire pour le bonhomme ce jour-là et le remettre. Ça, c'est un comportement. Deuxième acte, qui pense qu'on peut dire que quelqu'un n'a pas giflé, mais il est venu. Il s'est porté garant, le prophète, dans la dette d'un compagnon qui a retardé de paiement. Donc, pour un gifle, quand le gifle est venu, il a pris au collet le prophète. Il était seul. Il était auprès des murs là, de la maison, il se reposait. Les autres regardaient de loin. Il a pris le prophète, il a fait lever. Il a même cogné avec le mur, contre le mur. C'était très sérieux. S'il n'a pas giflé, mais il a fait même plus que ça. Il dit, oui, on m'a dit que c'est ça votre comportement chez vous. Il dit, les petits-fils de vos grands-pères ne payent jamais les dettes. C'est pourquoi tu t'es porté garant, couvrir celui qui ne veut pas payer mon argent. Le prophète, il n'a pas réagi. Mais ça, c'est un gif. Et quand il a demandé pardon, Seyyidina Omar, le plus dur de leur temps, il voulait se jeter sur lui. Regardez le comportement qui a été réservé pour le bonhomme par le prophète. Il dit à Omar, si vraiment vous avez le sentiment pour moi, cherchez à me dire de rembourser la dette là où je me suis porté garant. Dis-moi ça. Prodigue ma conseil de payer son argent. Et cherchez à le calmer pour ne pas qu'il fasse un comportement qui n'est pas bon. Il faut calmer le propriétaire d'argent et me demander de payer son argent si vraiment vous avez le sentiment pour moi et pour la vérité de Dieu. Et le prophète, c'est comme ça qu'il s'est comporté socialement avec les gens. C'est pourquoi j'ai commencé par la patience et endurance. Ça, c'est le bon comportement d'un musulman. Un homme non patient ne peut même pas gérer une petite famille. Si on sait qu'il y a quelqu'un ici, intellectuellement bien assis, il n'est pas patient, même la souveraineté de l'État, on ne doit pas le confier.
La patience, c'est le premier comportement fondamental d'un homme qui va réussir dans sa vie. Et quand il quitte, tout le monde aura besoin encore de venir vers lui. C'est ce que j'ai dit dans mon serment. Le prophète, le nombre qu'il a pu convaincre, embrasser sa religion par son comportement, il n'a pas eu ce nombre par sa parole. Voilà ce que j'ai dit par rapport à ça. Et l'occasion vous est offerte de vous adresser aux fidèles musulmans et à tous les citoyens guinéens, où qu'ils sont, que ce soit en Guinée ou ailleurs, par rapport à ce bon comportement que chacun doit adopter. Est-ce que vous pouvez un petit peu leur donner la quintessence de ce serment? Oui. C'est ma mission fondamentale. Un prédicateur islamique, un imam, un prêcheur, la mission fondamentale, c'est de prodiguer d'abord la paix sociale, le respect mutuel, échange d'intérêts et vivre en communion, s'accepter dans nous différents. L'appel que je lance de la haute autorité du pays aux citoyens lambda de Zéléko Obenouyomo, de garder la patience. C'est ça notre mission. Regarder la patience et regarder le pays en face et son intérêt. Il ne faut pas regarder l'individu ou bien le comportement de certains citoyens dans le pays, mais regarder d'abord le pays en face, qui est de notre responsabilité à nous tous, parce que ce pays est confié à nous. On s'accepte, on se respecte, on se pardonne, on refuse de faire du tort aux autres et on reste patient, regarder Dieu et ce qu'il va décider pour les citoyens et pour ce pays qui est le nôtre. Hélas, Mohamed Makanira, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, mesdames et messieurs, aimables lecteurs et téléspectateurs de guinematin.com, nous étions avec Hélas Mohamed Makanira, imam qui a dirigé la prière à la mosquée Anour Koza ce vendredi 3 février 2023. Nous parlions du bon comportement qu'un citoyen doit adopter dans sa vie, dans son milieu social. Alors, notre entretien prend fin à cet instant même. Nous allons nous retrouver très bientôt avec un autre numéro. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Merci d'être côté sur kinematin.com. À plus tard.